civilisation ou une culture, c'est une organisation. Une organisation de la vie humaine. Et cette organisation repose sur une certaine interprétation préalable de ce qu'est l'humain, de ce qu'est la vie et de ce qu'il est souhaitable d'avoir comme être humain et comme mode de vie. Donc une civilisation, c'est une organisation, mais tu diras plus tard, une organisation pulsionnelle, dans laquelle certaines possibilités de vie sont valorisées, sont encouragées, sont reproduites. D'autres possibilités de vie sont réprimées ou critiquées ou non valorisées. Le christianisme, c'est plus qu'une foi, c'est plus qu'un ensemble de rituels, c'est plus qu'une religion, c'est la civilisation moderne, la civilisation occidentale. Et en ce sens-là, le christianisme a opéré justement une série d'interprétations de la réalité, une série d'interprétations de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la vie humaine, avec une série de définitions a priori de ce qui est bien, de ce qui est bon, qui impose un certain type de valeur, qui tend à aplanir l'être humain, selon Nietzsche, qui opère une négation de certains modes de vie, une négation du corps, donc une dévalorisation du corps, une dévalorisation des pulsions, dévalorisation de la vie créative. Et donc c'est un aplanissement de l'être humain. Ça signifie, c'est la prise de conscience, le constat de la fin d'une grande ère axiologique, si on veut. Donc, la fin de la civilisation qui est fondée sur ces jugements de valeur. C'est la fin de la chrétienté. C'est un appel, pas à se lamenter, pas à vouloir revenir au passé, mais bien à se demander, mais que va-t-on faire maintenant? Que va-t-on faire maintenant? Que va-t-on faire maintenant?